Le climat délicat qui prévaut dans la famille des producteurs de coton au Bénin doit être amélioré afin que l'or blanc reprenne tous ses droits. C'est ce qui justifie les récentes décisions du gouvernement mettant fin au monopole du pouvoir public sur la filière coton. L'État a pris depuis 2011-2012 la filière coton en main, donc et l'a gérée jusqu'à cette année. Les conséquences, ça se voit. Il y a une déperdition et une, disons, constante action de l'État a toujours injecté de l'argent dans la filière. Et à ce propos, la première décision du gouvernement a été de remettre à César ce qui est à César, c'est-à-dire remettre aux acteurs de la filière coton la filière coton. Donc c'est en ce sens que l'AIC et les familles constituant la filière coton, on leur a remis. Et pour pouvoir jouer, disons, faire la transition jusqu'à la campagne prochaine, on a mis en place un comité paritaire qui va conduire cette campagne-là, qui prendra fin certainement décembre 2016. À quelques semaines du lancement de la campagne cotonnière 2016-2017, le Conseil des ministres a constaté que tous les producteurs de coton ne sont pas entièrement payés pour la campagne précédente. C'est alors qu'il a décidé de régler sans délai la dette qui s'élève à 19 500 millions de francs CFA. Et pour que cela puisse bien démarrer, nous avons œuvré à rembourser toutes les dettes des producteurs. Parce que si cette dette n'est pas remboursée, on n'est pas sûr que les paysans, les producteurs puissent vraiment avoir le désir de faire la production de coton. Or, le coton est l'élément fondamental pour pouvoir estimer le PIB du Bénin et être classé sur le plan mondial à une certaine place de la vie économique. Donc, c'est la maîtrise du placement du coton qui fait que vraiment la chaîne est bouclée. Ce que nous savons à cet instant, c'est que la situation nette est négative. La caisse de l'État étant quasi vide, au dire du secrétaire général de la présidence Pascal Irénée Koupaki, au terme d'un conseil des ministres. Comment le gouvernement a-t-il trouvé cette somme? Il n'y avait rien dans la caisse, mais nous avions des produits. Il y a encore du coton qui ne soit pas encore placé. Et donc, vu cette confiance, nous avons fait appel au pool bancaire pour nous faire des avances pour qu'on puisse payer, comptant sur les diverses potentialités que nous avons et pour finaliser, clôturer, disons, cette campagne qui est en train de s'achever. Tout est fin prêt pour le démarrage de la campagne cotonnière 2016-2017. Quelles sont alors les prévisions? Les prévisions, il y a le président de la République qui s'est donné un objectif de 300 000 hectares, donc 300 000 tonnes, c'est-à-dire à raison de la productivité qui se situe autour d'une tonne à l'hectare. Mais nous, techniciens, on est en train de tabler sur 350. Avec cette promptitude du gouvernement vis-à-vis des producteurs de coton, les objectifs définis ont certainement des chances d'être atteints.